Dans une boîte de soda vide, perçons, grâce à un poinçon, quatre trous à mi-hauteur et à égale distance l'un de l'autre. Il faut incliner le poinçon pour donner aux quatre orifices la même direction. On verse ensuite un peu d'eau dans la boîte. On bouche l'ouverture avec du papier adhésif. On la suspend à un fil et on chauffe par-dessous. Au bout de quelques instants, la vapeur d'eau s'échappe par les trous et la boîte se met à tourner. Les trous font office de tuyères, exactement comme sur un avion à réaction.